Cette simulation a pour objectif de simplifier l'étude du mouvement vertical avec frottement d'un objet quelconque, par exemple la bille, qui a une masse m égale à 30 grammes et un rayon r égale à 1,20 cm. Je peux changer ces valeurs en appuyant sur le signe plus et moins. Bien sûr, cette bille, elle va se déplacer verticalement dans un fluide. Ici, c'est la glycérine, dont la densité T égale à 1,26, bien sûr, à la température 20 degrés sol suisse, parce que la densité change en fonction de la température. Vous pouvez choisir le deuxième fluide, qui est l'huile d'olive. Et pour l'axe d'étude, on va travailler sur un axe OY orienté de haut vers le bas, comme il est indiqué ici. Vous pouvez choisir l'autre cas où l'axe OY est orienté de bas vers le haut. Je reviens à mon premier choix. Donc l'axe OY il est orienté de haut vers le bas. Le fluide, c'est la glycérine et la bille, dont la masse m égale à 30, le rayon égale à 1,20. Ici, on a un graphe ou une courbe qui représente la vitesse selon l'axe OY en mètres par seconde et un axe de temps en millisecondes. Je commence. Départ. Lorsque je clique sur le bouton départ, vous voyez que la bille se déplace de haut vers le bas. Avec frottement, on va considérer ce frottement linéaire, c'est-à-dire le frottement il est proportionnel à la vitesse, et si les vitesses sont faibles, vous voyez que la courbe contient deux parties ou deux régimes. Il y a un régime transitoire et un régime permanent. Pour le régime transitoire, on constate que la vitesse augmente fortement, puis lentement, jusqu'à atteindre une valeur limite. Ici, la valeur limite, c'est presque 6 mètres par seconde. Donc ici, la partie où la vitesse reste constante, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. L'autre partie, la première partie ici, c'est le régime transitoire. À titre de rappel, pour le temps caractéristique tau, on prolonge le régime permanent ici avec une règle, puis on trace la tangente à l'origine. Cette tangente démarre de point O, il sera droite vers le haut. Donc le point d'intersection de la tangente et de l'asymptote ou la prolongation du régime permanent va nous donner la valeur de taux. Donc je vais initialiser cette simulation. Maintenant je vais changer la masse de la bille et laisser le rayon et le fluide dans le même choix. Donc je prends la masse égale 40 grammes au lieu de 30 grammes. Le rayon est fixé à 1,20 cm et le fluide, toujours, c'est la glycérine dont la densité est égale à 1,26 à la température de 20 degrés. L'axe est orienté vers le bas. Je clique sur le bouton départ. Vous voyez que la vitesse varie en fonction du temps. Elle trace deux régimes, un régime transitoire et un régime permanent. Vous voyez que la vitesse limite a changé. On n'a plus la même courbe. Donc la vitesse limite devient presque 9 mètres par seconde au lieu de 6 mètres par seconde. On conclut que la masse influence sur la vitesse limite. J'initialise. Je reviens
à la masse m égale 30 grammes par litre. Maintenant, je vais diminuer le rayon. C'est-à-dire, je vais changer le rayon. La masse est toujours 30 grammes. Le fluide, c'est la glycérine. L'axe est orienté vers le bas. Je clique sur le bouton départ. Il y a une courbe. On a toujours deux régimes. Un régime transitoire qui vient de se tracer et un régime permanent où la vitesse est constante. Donc ici, la vitesse limite n'est plus, c'est presque 1,3 ou 1,4 mètres par seconde. Donc la vitesse limite a changé. Je conclus que le rayon influence sur la vitesse limite de ce chute verticale avec photon. J'initialise toujours. Je reprends la valeur R égale 1,20 cm. La masse 30 grammes. L'axe OY orienté vers le bas. Maintenant, je vais changer le fluide. On va prendre l'huile d'olive. La densité est égale à 0,92 à la température de 20 degrés Celsius. Donc la densité a changé, c'était la masse volumique a changé. Je vais cliquer sur le bouton départ. On a une courbe qui commence à apparaître et c'est sur le régime transitoire. La vitesse varie, puis elle va atteindre une valeur limite. Voilà, il commence à se stabiliser. Vous voyez que cette vitesse limite sera différente de la précédente. C'est-à-dire, d'après cette simulation ou ces essais, on conclut que la vitesse limite dépend de la masse de la bille, dépend de rayon de la bille, c'est-à-dire des caractéristiques de l'objet qui est en mouvement vertical avec frottement, et aussi il dépend du fluide, c'est-à-dire dépend de sa densité ou de sa masse volumique.